Avec mon bébé là, il va me faire la petite balade après. Hein. En Eh oui. paddle, si vous cherchez la balade, c'est maison. Bleu, Voilà. 138. Au good. Vas-y, Famille, assieds-toi devant. je vais m'asseoir parce que j'ai le téléphone, faut pas que je tombe. Aïe, aïe. Voilà, gère le sang, gère. Voilà. On se croira à Venise. Si, ciao, ciao. Sono Giovanni, sono Giovanni. Il n'y a pas de trop. C'est quoi comme poisson là-dedans? C'est bon, je dis. Bon appétit! Mais c'est quoi, un poisson? Ouais, plus ça c'est. Je suis gourmand. Non, mais... Toujours posé dans le jacuzzi. Ça parle de moi, je les laisse causer. Moi, j'ai la villa. Alors, du coup, on va à la plage. On a laissé les garçons au resto. Du coup, avec Marie, on est partis. Toutes les deux. Et on va bronzer. On va trouver une plage pour bronzer. Tu sais que moi, ça fait 3 jours que je fais les journées bateau. Je suis moins... Oh, regardez le réveil. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez vu ce bronzage de reine, de queen. Parce qu'en fait, elle fait 30 minutes, 30 minutes. Vous avez vu, elle s'était cachée, on le tourne pour qu'il soit vraiment pareil de chaque côté. Ben, elle, c'est pareil. Et à 16h, ça va bipper, elle va tourner. Et ouais, à 16h, elle se tourne. C'est Marie le s'était caché. Allez, bébé, j'ai retrouvé un ami à moi. Qu'est-ce que tu fais, frérot, sur le continent? Je suis venu voir Paga faire du paddle, frère. C'est un grand moment. Ah ouais, c'est vrai que c'est un grand moment. Regardez, ils partent les deux à l'abordage. Alors, on sait pas où ils vont, frère, mais ils y vont. Voilà, regardez, papa, regardez-moi, ces petits rendez-vous de famille là, à 4, ça se fait des dates en mer? Bon, Paga, je vous explique quelque chose. Vas-y, mon ami qui est là, qui est toute ma vie, m'a parlé d'un film. Et je suis même avec ma belle-sœur aussi, hein, qui est là aussi. Tu connais le film hein, qu'on parle, Carter sur Netflix. Alors, c'est le film le plus quoi, Josépa? Le plus éclaté. Vous n'avez pas compris le score. Le matin, on a pleuré de rire en avocat. Le matin, c'est-à-dire qu'il me parlait encore de ce film, mais le film, il est rené. Ah, regarde les amis que tu vas voir, qu'il est bien. Il est bidon. Fais un sondage. Qui c'est qui a vu Carter? Faites un sondage. Ah ouais, mais oh, sondage nul ton film. Carrément, le soir, avant d'aller se coucher, j'ai filmé le film et j'ai dit demain, je vous donne des nouvelles. J'ai jamais redonné des nouvelles. J'ai jamais répondu aux gens. Parce que vous n'êtes pas du second degré. Il était persuadé sur son film. Mais il est numéro 2 sur Netflix. Mais qui est numéro 2, frérot? Numéro 2. Non, on le sait pas, gars, tu es fort, tu as du talent dans tout, dans les choix des films. Non. Regardez, toi, celui du Carter, sais. On va mettre sondage, oui ou vas-y, non. On va mettre est-ce sondage. Que vous aimez, est-ce on va que vous aimez faire un Carter sondage. Voilà, est-ce que alors, vous c'est aimez le Carter film le plus rené que j'ai vu dans Allez, ma vie. Fais un sondage. Il se réveille, l'autre il a une tablette, il saute, il vole. Et alors, Matrix fait quoi? J'osais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le toboggan là. Oh. Prête à être maman? Prête à être maman? C'est des signes ça? Paga, c'est des signes hein? Vas-y, Joe, fais le toboggan. Non, je l'attends le signe, ça fait des... ça fait un an. Bisous de l'amour, bisous de l'amour. Ashtrafracha. Trasata. À pied dans la... à pied, pied bouche. Pas mal aussi, pas mal. Du coup, je lui ai mis mon petit collier avec écrit Giuseppa. C'est bien de diriger 12 ans. Et moi, j'ai mis le collier Paga. Du coup, c'est les bijoux My Little Necklace. Attendez, je vous montre. Ouais, t'as pas beau. Comme il est beau. Et celui-là, c'est couleur or. Et vous avez aussi des bijoux en couleur or rose et en argent. Alors, je vais vous montrer. J'en ai d'autres. Ils sont trop, trop beaux parce que j'ai ma petite pochette de bijoux et du coup je les range dans ma pochette partout et en fait vous en avez des comme ça, donc ça c'est des petits anneaux et dessus il y a écrit Giuseppa et Paga, je vais vous montrer de plus près. Et là j'ai la petite plaquette aussi avec le G dessus.
trop belle, donc couleur or. Et j'en ai un en or rose qui est écrit GP et ils sont magnifiques, donc ça bouge pas, c'est inoxydable. Je les ai depuis super longtemps. Là, on a été dans l'eau avec, ça bouge pas du tout, c'est super bien. Là, vous avez donc, je vous montre de plus près la petite plaquette avec le G, donc en couleur or, les petits anneaux qui relient donc pagaille et Giuseppa, couleur or rose. G et P et le Giuseppa qui était donc le collier que j'ai mis à Paga et celui que j'ai sur moi, le Paga, et j'en ai un autre en argent qui est à la maison qui est trop trop joli. Donc franchement c'est des super beaux bijoux, vous pouvez les personnaliser et c'est aussi très bien si vous pouvez faire un petit cadeau à votre maman, à votre chérie, à votre cousin, cousine, vos amis. Et bien c'est des colliers qui sont personnalisables, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dessus, ce que vous voulez écrire, la couleur du bijou. Vous pouvez tout choisir sur le site, c'est super simple. Donc je vais vous laisser le petit lien du site. Et sachez que la marque a déjà maintenant plus de 3 ans, donc c'est vraiment hyper fiable, de très bonne qualité. Je vais vous laisser le lien et je vous mets aussi un petit code promo très intéressant. J'ai jamais vu une crevette aussi belle. Une crevette décortiquée. Mais très poilue par contre, hein, parce que là tu en as de la barbe, je te le dis. Non, tu es vraiment une belle crevette, mon amour. Une crevette, 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 crevette. The crevette. The crevette. Bon, journée terminée. On a tous cramé, je crois. Moi, j'ai mis de la 50, mais le soleil, il a tapé trop fort. Et ce soir, on fait un barbecue à la pétanque. Ouais. Ça va être trop bien. Donc là, les garçons sont partis acheter des merguez, des brochettes. Et avec Marie, on va se maquiller un petit peu. J'ai pris des tomates. Des tomates ? Je vais prendre une courgette, un peu de farcir. Farcir qui ? En pleine course là, en pleine course, hein. L'Aziz là, bam, petit kaji, trop blanc, allez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les bébés, avec modération, parce que j'ai le droit quand même de leur dire avec modération. Allez, on va faire une grand bon, vous êtes. Comme ça, papa Gaël se filme la vie. Ah, tu veux des jumeaux? Allez, les petits papas, allez, c'est l'apéro. Ma vie, t'es trop beau. Tonton Gaël te filme. Il y a déjà sorti tout ce téléphone. T'es trop beau, je te jure, t'es trop beau. On va faire une fille et un garçon en même temps. Hein. Comme ça, papa Gaël s'occupe de... Du coup, je vous ai montré un petit peu tous les produits qu'on utilise avec Marie. Donc, on a utilisé ce rouge à lèvres. Elle a aussi mis celui-ci et celui-ci. Le highlighter qui est hyper pigmenté, donc qui ressort super bien et qui est un petit peu particulier puisque vous avez une boule en fait. Donc, ça s'applique comme ça en rouleau. C'est génial, super pratique. Le petit highlighter bleu, le eyeliner bleu et le noir. Et un petit gloss à mettre en dessous du rouge à lèvres par-dessus. Qui est super beau aussi. Et vous avez ici l'auto-bronzant pour le visage. Donc vous pouvez mettre deux petites gouttes sur votre visage si vous prenez le soleil ou en dessous de votre make-up. Ça sert aussi d'huile, tout simplement. Je vais vous mettre un petit code promo pour les produits Banana Beauty. Je vous laisse le code promo et je vous mets le lien du site.
je suis avec le coiffeur de bébé, ouais. Il est venu nous dépanner comme ça, au good, en plein milieu. On se régale. Monsieur Julien Teboul, je vais le mettre. À n'importe quel moment, minuit, 1h du matin, 4h, 10h, il est là. On dépanne. Appelez-le. Chaud pas. J'en ai marre. On va le prater là. Et ben ce barbecue était vraiment incroyable. Et ben il en reste des merguez, mangez un peu. Oh. Qu'il est con. Que merci pour le service parce que franchement, tu es un monstre. T'as tout fait, le barbecue, les boissons. C'est un monstre. J'ai vu talon pointe comme une surface winneuse envoyeuse. Pas d'autre alternative, patientez également dans votre véhicule le temps que les recherches aboutissent. Dernière information qui me parvient à l'instant, du côté du Muy, c'est un bah voilà. En panne sur voie de gauche. Comme vous l'avez entendu à la radio, ils disent patientez dans votre véhicule, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Enfin, normalement, vous écoutez la radio et vous n'êtes pas dans la situation, et là, on entend la radio, trop on beau, y mais est. Il y a une voiture à contresens sur l'autoroute. Donc là, en fait, on est arrivé au péage. Ah. On est arrivé au péage. Il y avait 200 voitures arrêtées. Et on n'a pas compris pourquoi. Et là, ça fait exactement 25 minutes qu'on est arrêté parce qu'il y a une voiture à contresens sur l'autoroute. Regardez, on est au péage. Ah, mais il y a au moins 2000 voitures d'ailleurs. Ah, mais derrière, c'est... C'est Bagdad. On a de la chance d'être juste devant d'ailleurs. Mais là, c'est une cata. Toutes les voitures en crise, les gens et tout. Mon Dieu, la queue qu'il y a. Mais et tout. J'aimerais savoir pourquoi la personne, elle s'est dit genre, pourquoi pas vraiment aller contre les règles et juste prendre une voie d'autoroute à contre. Des fois, c'est l'alcool. Genre, je pense qu'elle a pris tu vois, la musique de bande organisée, elle a pris trois cœurs, genre contresens, ma chérie, t'es à contresens. Genre vraiment, les gars, arrêtez de vouloir faire des bêtises parce que c'est très grave. Non, mais je pense que. Je sais pas si la personne elle était normale ou. Parce que des fois je me dis, je m'inquiète, genre ça peut être quelqu'un qui est fou ou. Ça peut être hyper dangereux, mais autant ça peut être quelqu'un de normal qui s'est juste dit, genre pourquoi pas. Mais heureusement qu'ils ont fermé les barrières, imagine te voir arriver une voiture en face de toi. Parce que même quand t'as pas le permis, genre. Même si la personne elle a pas le permis et qu'elle fait de la merde en voiture, elle veut pas prendre une autoroute à contresens. Une autoroute. Ça peut arriver. Ah, je sais où c'est qu'elle a pris. Au niveau de Saint-Cyr, tu peux soit partir à droite vers Toulon, soit à gauche. Et en fait, tu peux te tromper. Alerte. Voiture contre sens. 2h52, les recherches se poursuivent toujours. Ah ben, pas à l'instant. Il a été intercepté. En tout cas, la zone est désormais sécurisée. Il y a la fin de l'alerte aux véhicules à contresens. Si vous circulez sur l'autoroute A50, l'axe Marseille-Toulon, un véhicule à contresens avait été signalé entre Saint-Cyr-sur-Mer, l'échangeur 10 et ma chérie, tu as contresens. 11. J'apprends à l'instant. En tout cas, tout a été vérifié. Ouais. Donc, progressivement, les barrières vont se lever. Ah, les barrières. Vous ne les barrières. Vous précipitez les barrières là. Surtout, vous repartez en douceur. Pas d'empressement, non, de reprendre la route. Ce serait le meilleur moyen d'être à l'origine d'un accident. En tout cas, bonne nouvelle. Mais il peut au moins le redemander aux gens de ne pas prendre une autoroute à contresens. L'alerte au véhicule à contresens est levée. La zone. Ah, allez, on y va.